Idéalement située entre mer et montagne, forte d'une nouvelle image et d'un dynamisme reconnu, classée station de tourisme et labellisée pavillon bleu, Toulon est devenue une ville de tourisme qui compte. Reconnue au plan national pour son attractivité et sa vitalité économique, elle bénéficie d'un exceptionnel cadre de vie. Riche de 167 000 habitants, Toulon est également la ville phare d'un territoire de 12 communes et son essor, s'il opère dans tous les domaines de la vie de la cité, est largement ouvert sur la mer. De fait, le destin de Toulon a de tout temps été lié à la Méditerranée. Il y a 2000 ans, la ville accueillait les navires romains et s'appelait Télomarsius. Plus tard, sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, le port de Toulon voyait sa vocation militaire affirmée et la ville allait grandir au rythme de la croissance de son arsenal maritime et du développement de la flotte. Et si elle a souffert des tourments de l'histoire et des épidémies, la ville a également vu l'avènement de personnages légendaires tels Bonaparte, avant de connaître, au XIXe siècle, une expansion urbaine importante avec la naissance de la haute ville et de ses constructions haussmanniennes. Enfin, profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale et ses heures les plus noires, Toulon fut en grande partie détruite par les bombardements et a dû renaître de ses cendres pour relever les défis du monde moderne. Aujourd'hui, premier port militaire français, Toulon est le port d'attache du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle et de la flottille de sous-marins nucléaires d'attaque, en même temps que le siège de la Force d'action navale. Elle est aussi au cœur d'une rade, la plus belle d'Europe, qui se donne les moyens de réussir son avenir tout en privilégiant le bien-être de ses habitants.
Toulon, c'est encore un environnement naturel privilégié, préservé et un milieu urbain sans cesse amélioré. C'est aussi une ville où sport, culture, loisirs, animation ont largement le droit de cité.